Moi, c'est M. Soumane Lamine, je suis le président de l'Académie Les Trois Belles Fontaines. Les Trois Belles Fontaines, c'est une structure internationale qui est basée en France, donc qui prend comme filiale l'Académie ici en Guinée. Donc, c'est un projet qui est non seulement communal et puis communautaire en fait. Vous voyez. Donc, c'est grâce à M. Ghislain et Simengue qui m'a donné l'ambition de mettre en place une équipe féminine ici en Guinée pour pouvoir transater nos joueuses et faire la promotion du football féminin. Vu que notre pays est en train de se relancer pour l'amélioration et le développement de notre football féminin. Bon, on vient de commencer, nous sommes en phase de détection. Donc, c'est une académie qui est typiquement féminine. Une académie qui est typiquement féminine parce que là, les encadreurs qu'on a déjà, ce sont les anciennes joueuses de la Guinée. Donc, les graines de scène, ils sont en train de mettre ça en place. La détection se passe à merveille et on est allé dénicher les filles à l'école pour les découvrir et puis pour faire leur talent, pour mener leur talent. Donc, c'est ça. Bah, ça se passe très bien ici parce que c'est trop sympa ici. On est libre de faire ce qu'on veut. Le coach, elle nous entraîne très bien. Et puis, encore, elle nous donne des exercices qui sont très faciles à faire. Je sais, ce n'est pas facile, mais avec le temps, ça peut aller. Bah, moi, je conseille mes amis de venir. Parce que ici, l'académie, c'est très bien encadré. C'est très, très bien encadré. Ici, on peut avoir la chance d'aller jouer là où on veut. Moi, je dirais que parce que là, vous savez que ce n'est pas du tout facile dans notre pays qu'un père de famille ou une mère de famille arrive à céder, que sa fille arrive à jouer au football. Vous voyez donc ceci, moi je vais les appeler juste pour leur donner l'importance et l'ambition qu'on a concernant sur l'académie. Parce que là on sait que le football remporte beaucoup et ici c'est le t-sport en fait.